Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter le Yes, c'est mon tout nouveau produit. Alors le Yes, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de trois choses. Vous avez tout d'abord à l'intérieur un DVD. Dans ce DVD, vous avez également une petite pochette. Et dans cette pochette, vous avez 13 cartes. 13 cartes complètement truquées, bien sûr. Et justement, le DVD vous montrera 15 applications à réaliser avec ça. C'est cool, à tout de suite. Chaque carte a un dessin. Et chaque dessin représente un trait de caractère. Donc regardez, vous avez ici le romantique, l'homme d'affaires, le festif, le joueur, etc., etc., etc. Et l'avantage de ces cartes-là, c'est qu'elles peuvent être données à vérifier avant, pendant et après. Elles semblent normales. En réalité, il y a un secret, bien sûr. Mais tout paraît normal. Donc a priori, ce sont juste des cartes avec des dessins. T'as choisi le champagne. T'aurais préféré. Tends-moi ta main, s'il te plaît. C'était quoi ta carte? Les roses. Les roses, ouais, les doigts, normalement elles se changent, c'est cool. Oh, tout le jour vient dans le même sens, sauf une seule. Oh. La tienne. Orange, c'était moi. Toi, t'as choisi Rubik's Cube et Champagne, t'es quand même très fort. Vraiment, c'est cool, hein. Putain. Bah, pas mal. Et ces dessins vont vous offrir double avantage. Si vous faites de la magie aux adultes, vous allez pouvoir orienter vos routines sur des tests de personnalité. Bah oui, parce que normalement, quand on fait choisir une carte, c'est l'as de pique, la dame de cœur, etc. Mais là, non. Là, vous pouvez très bien dire, prends une carte au hasard, mais attention, ça va en dire gros sur toi. Et selon la carte qu'il choisira, effectivement, vous pouvez avoir des rires ou pas. Bah ouais, ça va en dire gros sur lui, donc vous impliquez le spectateur. Bon, maintenant, si vous faites de la magie à des enfants, même en bas âge, les enfants connaissent pas toujours les valeurs des cartes. Bon, bah là, vous allez leur faire choisir un dessin, ce qui est quand même beaucoup plus ludique pour lui ou pour eux, selon le nombre qu'ils sont, etc., etc. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez également adapter tous vos tours de cartes avec ça. A priori, elles semblent normales et elles se manipulent comme des cartes absolument normales. Donc, en fait, vous n'achetez pas un tour, mais bel et bien un outil. Bon, bah les amis, à vous de jouer maintenant. C'est qui se prend la tête, la joueuse, la voyageuse, la feignante, la dominante, la romantique, Dominique. La festive. Bon bah ça ne regarde pas. Hein, c'est... Alors vas-y. Ça c'est pareil, ça va dire gros sur toi. Déjà, il n'y a pas le masque. Déjà c'est cool. C'est pas... Non mais ça, écoute, il est vraiment temps de savoir de quoi t'as envie, retourne la carte. Ah, un bisou magicien, c'est cool hein. Je suis un beau métier quand même. Oh my god.